Salut les frères Sarnox, dans cette vidéo je vais vous présenter le mode menu Nexus. C'est un des meilleurs modes menu qui existe sur 5M. Vous pouvez le retrouver sur L Market. En plus vous avez un code de réduction avec le code Ernox. Sur ça les frères, je vous dis bonne vidéo. Donc on va l'ouvrir. Pour commencer on va aller directement dans l'option Player. Donc ici on a tout ce qui est Revive. On peut directement se mettre le heal. Voilà, on peut rajouter le heal qu'on veut. On peut se mettre du gilet pare-balles aussi. God mode qu'on peut configurer en headshot, voilà, qu'on peut un peu configurer comme on veut. No clip, ça c'est la vitesse du no clip, ça c'est l'invisible. Voilà, après, là, par là on peut modifier tout ce qui est stamina. On peut mettre aussi un anti-carry, donc comme ça ça vous évite qu'on vous porte, un anti-menotte et un anti-téléport. Tout en bas on peut se TP ou à des coordonnées ou au point qu'on a mis sur la map. Ça c'est pour tout ce qui est habit, donc voilà, on peut faire des tenues random et tout. Voilà, là on va aller dans le truc qui est un petit peu plus intéressant, donc le côté serveur. Donc là vous pouvez sélectionner les personnes à qui vous allez faire des dingueries en gros. Hop, donc là je me mets moi vu que là je suis tout seul dans la zone là. Dans le côté safe, on a tout ce qui va être moins détecté par l'anti-cheat. Ça peut quand même être détecté, mais généralement ça va, c'est pas trop cramé. Voilà, on peut copier l'apparence du mec, donc voler sa tenue en gros. Ça je crois que ça fait spawn des... Ouais voilà, des gilets pare-balles et des trousses de soins. Donc là tu peux attacher des trucs au vent. Voilà, train, dégâts des drapeaux je crois et tout. On peut aussi mettre des objets, donc un toilette par exemple. Voilà, là on peut faire tomber la personne et on peut le laisser au sol, et on peut aussi glitch player, ça va le faire téléporter de partout. Et le bon player généralement il marche pas, donc voilà. Hop, on peut lancer le mec en l'air, ça c'est stylé, ça c'est drôle, c'est sympathique ça. Ah ouais, ok, j'ai capté. Ça, je me souvenais plus de c'était quoi, en mode ça te fait spawn un véhicule sur toi. Voilà, crush player, ça fait spawn un véhicule sur toi. On peut mettre des sons aussi. Black hole, c'est ça. Voilà, en mode il y a tous les véhicules qui te sautent dessus. C'est plutôt cool. Donc là, tous les pets, ça là, make pet, follow player, tous les pets, ils vont courir après. Ça là c'est les pets, ils te rentrent dedans. Ça fait spawn des pets qui vont tirer dessus et tout. Et attache all pets, ça te les met tous sur toi comme un fou. Et attache all véhicules, ça va. Ouais voilà. Voilà. Ça fout le bordel. Après dans le côté risqué, on a tout ce qui va être détecté par l'anti-cheat. On peut se faire spawn des armes, on peut taser la personne. Donc le silent mode, je crois que c'est comme ça, il n'y a pas le son de l'arme normalement. Exploding bullet, c'est les balles explosées. Quand vous allez tirer, ça va exploser sur les gens. Des PNJ avec des armes. Donc là on choisit les armes. On peut même faire spawn des clowns, des lions, des singes, etc. On peut se faire spawn un compagnon. On peut se faire spawn un petit animal qui va nous suivre. Voilà, chien et tout. Donc pour les véhicules, on peut les attacher. Là on peut sortir les PNJ des véhicules. On peut prendre le contrôle des véhicules des joueurs. On peut détruire le véhicule, etc. Là on peut fermer le véhicule, on peut le téléporter à soi, on peut le lancer en l'air. Donc là on a les triggers là, c'est tout ce qui vous permettra de voler, de vous give d'argent. Dans la catégorie armes, on peut mettre tout ce qui est non recul, non truc de rechargement là. Augmenter les dégâts, mettre le rapid fire, balles explosives, etc. Dans combat, on a tout ce qui est M-Bot. On peut associer une touche pour l'activer. On peut mettre draw FOV, donc voilà. On peut augmenter plein de trucs, donc le hit chance, donc la distance. On peut choisir même de tirer sur les staffs qui sont en no clip, etc. J'ai oublié de vous montrer un truc dans la catégorie risqué. Ouais, on peut mettre des particules sur les joueurs aussi. On peut trash spammer. Donc, en gros, ça fait spawn plein de camions de pompiers. Voilà, ça spawn des véhicules. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire spawn les véhicules à port. Ici, on peut augmenter le handling du véhicule. Le mettre en god mode, enlever la collision. Véhicule en god mode, l'autofix. C'est-à-dire que quand je vais faire un accident, ça va le réparer automatiquement. Voilà, ça va réparer automatiquement le véhicule. Dans visual, on a tout ce qui est les wallhacks. Ça c'est bien, ça c'est pour changer la FOV, donc pour voir de plus loin, c'est sympa. On a des trucs qui servent un peu à rien, genre crosser. Genre le crosser il sert à rien honnêtement. Voilà, on peut modifier le crosser, changer la couleur. Voilà, ça c'est pour voir les véhicules, donc le nom des véhicules, etc. Donc ça c'est la box, donc vous pouvez voir les joueurs ou les PNJ. Ça c'est la version squelette. Donc ça c'est pour afficher si le mec il a des armes, etc. Son armure, sa vie, son nom. Dans Miraculous, on a la free cam. Donc c'est pas comme un no clip, c'est-à-dire que là ton personnage in-game il reste là. Après voilà, on a des trucs de ouf, genre UFO attaque. Donc
vaincu en mode attaque d'OVNI. Tu peux tuer tout le monde, tu peux lancer tous les véhicules. Voilà, là j'ai baisé tout le serveur, les gars, si vous voulez savoir. On peut delete tous les pads. Donc là, il n'y a plus de pads, les frères. Delete all véhicules, delete tous les objets, exploser tous les véhicules. On peut même se transformer en pad, frérot. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ah non, c'est Kali, hein. Dans setting, voilà, vous avez tout ce qui est. Ah, dans setting, on peut faire crash notre jeu. Voilà, il y a tout ce qui est touche pour changer les touches. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut changer le visuel de la bannière. Moi, je sais que j'aime bien la rouge. La rouge. La rouge, elle est stylée, tu vois. Dans bypass, ça te montre les anti-cheats que Nexus bypass. Donc là, a priori, safeguard, etc., ils y sont pas. Dans exploit, ça c'est intéressant. Ça va nous permettre de regarder s'il y a un anti-cheat et de potentiellement le bloquer. Donc pour ça, vous faites anti-cheat checker. Donc là, on peut voir qu'il y a wave shield. Après, vous faites anti-cheat blocker et placeholder. Donc ça va pas bloquer l'anti-cheat à 100%, mais ça va vous aider. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de Nexus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'oubliez pas, Lmarket en description si vous souhaitez acheter le mode menu. Sur ça, les frères, je vous dis ciao.